Bonjour, bonjour, bonjour. Paula Alphonse, bienvenue à Getting Real with Paula. Et ce soir, on va aborder les dynamiques familiales durant la période de la quarantaine. Et j'ai avec moi deux invités, Nerline et Valérie, qui vont explorer avec nous les différents cas qui nous ont été présentés. Et je vous mentionne en même temps qu'il est toujours le temps de soumettre vos cas si ça vous intéresse à travers la section des commentaires. Donc, je vais demander à Darlene, pour commencer, de se présenter en nous parlant un peu d'elle et de la réalité familiale avant la quarantaine. Bonjour, je me présente, Merline. Je suis mère de deux jeunes enfants, une fille de 6 ans maintenant, depuis vendredi, et un garçon de 18 mois. Avant la quarantaine, je travaillais à la Banque nationale, dans les bureaux d'Ottawa. Et depuis lors, depuis le confinement, je suis en télétravail à temps plein, du lundi au vendredi, avec mes enfants à la maison. Et l'école aussi de ma fille, ainsi que la garderie à la maison. C'est ce que je fais. Et j'ai aussi en lien avec mon travail, ma passion, je suis fondatrice du groupe de Black Mom Cares. Et aussi j'ai pour mon côté professionnel et personnel, une entreprise que j'appelle Design to Shine, qui est décoration d'événements, qui a été sur pause pendant, je dirais avant le confinement, mais qu'aujourd'hui, avec le temps du confinement, que j'ai décidé de remettre sur les rails. C'est ça. Merci. Ouais. Valérie, je te demanderai de te présenter. Bonjour. Mon nom est Valérie Gaudreau. Je suis fonctionnaire, puis je suis aussi une maman qui s'occupe de son fils de 13 ans à temps plein, dans le fond, depuis la pandémie. J'ai mon fils ici avec moi à la maison. C'est ce que je suis. Je suis en plus une famille d'accueil pour les animaux. J'ai plein d'animaux à la maison avec moi. C'est ça. Donc, merci, mesdames. Et ce que je mentionnerai au cours de la conversation qu'on va avoir dans les quelques prochaines 30 à 45 minutes, gros max, c'est vraiment pour vous aider à identifier des options potentielles pour gérer les défis que vous avez. L'idée en bout de ligne pour moi, c'est tout simplement que vous ayez plus d'options pour choisir celle qui conviendrait le mieux à votre famille. Ceci étant dit, j'aimerais peut-être, avant qu'on commence la conversation puis qu'on regarde les scénarios, mentionner que en période de confinement, tous les irritants sont au rendez-vous. Ce que je veux dire par là, c'est que parce qu'on est dans la maison 24 heures sur 24 avec ces gens qu'on est supposé aimer et adorer à temps plein, ben là, on remarque toutes sortes de dynamiques qui ressortent. Et souvent, c'est vraiment dans un contexte où, comment expliquer ça, où on a beau s'aimer, mais on n'a pas l'habitude d'être ensemble dans un espace restreint pendant autant de temps. Donc, certaines choses qui étaient peut-être là avant remontent à la surface et puis, t'sais, les petits irritants, le petit suc qui était sur le coin du comptoir ou encore le jeu qui traînait dans une pièce d'une partie du salon, ben là, tout d'un coup, là, ça me tombe sur les nerfs, sur les gros nerfs. Peut-être que je parle juste pour moi, excusez-moi, mais c'est cet élément-là qui crée des défis. Non. Merci. Votre leadership en tant que parent est crucial Oui. pour déterminer les relations et les comportements que vous allez observer. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que le confinement n'amène pas des nouvelles choses. Il met en évidence des choses qui étaient là, mais qu'on n'avait peut-être pas vraiment pris la peine d'élucider et autres.
Et dans c'est un peu comme si tout d'un coup, là, on est tous sous un microscope et puis on voit il y a tous nos petits boutons noirs partout sur nos visages et sur nos comportements. Et là, ben, ish, ça développe des défis. Sur ce, je vais demander à Valérie de présenter le premier cas. Vas-y. Oui, donc le premier cas, c'est mon cas à moi, dans le fond. J'ai mon fils de 13 ans. Depuis que la pandémie, dans le fond, étant donné que son père travaille, je l'ai toujours, moi, durant les semaines régulières. Il va chez son père les fins de semaine. La dynamique est tellement différente avec la pandémie. L'école obligatoire aussi, c'est ce qui me pose problème dans le sens que moi, je travaille de la maison de 9 h à 5 h. Je suis coordonnatrice de projet pour un projet qui est une priorité de mon ministère en ce moment. Donc, on a des délais très serrés, on a des tâches à effectuer qui peuvent pas être reportées. Donc, avec mon fils et son école qui est obligatoire, il y a certaines heures qu'il doit respecter. Puis, en ce moment, ça me pose problème dans le sens que mon fils, avant même de tomber en pandémie, il avait de la difficulté à l'école. Il y avait de la difficulté à être motivé. Il vient d'entrer au secondaire. C'est la partie qui est dans le fond cruciale dans cette problématique-là. C'est que dans le fond, entre la transition entre le secondaire et le primaire, les professeurs sont différents. La dynamique est différente. Le support est différent. Puis mon fils, qui je soupçonne, a un problème d'apprentissage, dans le fond, a besoin d'être plus encadré. Donc là, avec ses devoirs, avec tout ce qu'il a à faire, c'est d'enseigner une nouvelle matière aussi. J'ai de la difficulté à, moi, faire le lien entre, tu sais, comme mon horaire, son horaire, versus ma vie de maman à moi aussi, dans le fond, puis que je dois faire les soupers, que je dois m'occuper de ma famille d'accueil, justement, de chat. Sauf que c'est de la matière qui, écoute, on s'entend, dans le fond, les mathématiques, puis le français, secondaire 1, nous, là, en tant que parents, ça fait des siècles, là, qu'on a vu ça. Puis, on s'en rappelle pas nécessairement, tu sais. J'ai passé 2 heures avec lui dans une résolution de problème l'autre fois. Écoute, je voulais m'arracher les cheveux sur la tête, mais les professeurs font du mieux qu'ils peuvent, mais sont pas comme toutes sur la même longueur d'onde. Donc là, tu sais, on a les devoirs dans Teams, les devoirs dans Outlook, les devoirs qui nous arrivent dans un chat. Puis c'est un petit peu aux parents, tu sais, déjà que le mien, il était en échec scolaire avant la pandémie. Là, je me trouve à avoir le rôle de cheerleader, de tu sais, de motivatrice, d'enseignante, en plus de mon rôle de parent, de mon rôle de maman qui est tout seul avec mon fils à journée longue. Donc, tu sais, je trouve que c'est un petit peu compliqué à gérer. Puis dans le fond, ce que je me demande, tu sais, c'est comment voir, est-ce que les professeurs ont vraiment vu l'aspect humain qui est en arrière de l'étudiant, dans le sens que est-ce que l'expérience utilisateur, métier qui parle, a été vue en arrière de chaque étudiant? Est-ce que la vie familiale, le contexte familial dans lequel l'étudiant vit a été calculé? C'est correct que chaque étudiant sont différents, mais les étudiants qui ont des problèmes, est-ce que ça a été vu? Ça, étant donné que le mien voyait déjà la TES à l'école, qui était suivie, il y avait un petit support de plus pour appuyer son enseignement. Là, il l'a pu.
Puis c'est moi, c'est sur mes épaules que ça repose. En plus de tout ce que je dois faire en tant que travaillante, maman, personne qui a une maison et, tu sais, personne qui supporte mon fils. OK. Donc, si j'essaie de résumer la question, parce qu'il y a bien des choses, puis je vais la résumer dans un contexte de ce que toi, tu peux faire dans ta réalité et non pas, comme par exemple, tu as parlé des professeurs, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire par rapport à ce que les Non. professeurs ont choisi de faire. Donc, si je comprends ta question, ce serait comment faire pour concilier ton travail et l'école de mon fils? Puis tout ça en gardant une certaine Oui. santé mentale. Est-ce que ça a du sens comme question? En essayant, oui. Oui, OK. absolument. Donc, en même temps, comme on dit, je vais demander d'abord à Nerline. Nerline commence. Toi, quand tu entends cette réalité-là, qu'est-ce Qu'est-ce qui te vient en tête dans un contexte de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver des solutions pour Valérie? Moi, je dirais que le plus important, c'est surtout d'avoir à communiquer. Je pense que les professeurs, c'est vrai, ils ont leur façon de fonctionner, mais c'est vrai qu'il est très important aussi qu'ils aient conscience qu'il y a des élèves qui ont besoin de plus de soutien, ce qui veut dire qu'il faudrait une approche beaucoup plus régulière, des contacts beaucoup plus réguliers. Afin de pouvoir demander aux parents ce qu'ils ont besoin. Puis les outils aussi, souvent on a dit que il y aurait des outils aussi pour ces enfants-là et pour les parents. Mais outils veut pas seulement dire je te balance le laptop là et puis débrouille-toi tout seul avec la plateforme qu'on a instaurée pour pendant la pandémie. Faut aussi que le professeur en tant que tel ou un conseiller, parce que je pense que dans les écoles aussi, il doit avoir quelqu'un qui prend le temps de suivre chaque étudiant ou qui devrait, en fait, surtout ceux qui sont dans le besoin, de prendre contact avec le parent, voir s'ils sont bien ou s'ils ont besoin d'aide. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, ce serait la première étape. Puis la deuxième étape aussi, ou celle qui vient avec cette étape-là, c'est que le parent puisse aussi en parler. Oui. Si je peux me permettre, dans le fond, c'est que mon enfant, il n'a pas été diagnostiqué nécessairement avec un trouble d'apprentissage. Il a été suivi tout son primaire par une technicienne en éducation spécialisée. Puis, à son arrivée au secondaire, c'est là que ça l'a comme un petit peu dérapé. T'sais, c'est une transition dans le monde adulte, sont livrés à eux-mêmes un peu plus. Ils ont différents professeurs pour chaque matière, puis ça aussi, c'est déstabilisant pour les enfants, dans le fond. D'avoir un différent mode d'apprentissage, t'sais, au quotidien, dans le fond. Donc, t'sais, oui, j'allais le faire évaluer en. J'ai eu un rendez-vous avec la pandémie, c'est en septembre prochain. Mais en ce moment, même si j'ai écrit à la TES, à l'école, à la directrice, j'ai eu aucun retour de courriel. Donc, c'est comme un petit peu tombé sur mes épaules J'ai trouvé une solution. de trouver une solution. C'est ça. Je trouve ça un peu difficile aussi, dans cette période-là d'avoir des réponses très rapides ou bien d'être obligé d'être mis sur le côté. Je trouve que ça, dans la situation qu'on vit aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup présent. Ce manque de Oui. communication. Ce que je Oui, puis on se pourrais sent un petit dire, et peu c'est peut-être laissé à nous-mêmes. si on le prend dans un contexte plus large, je dirais que tout le monde a été un peu pris par surprise par le confinement. Donc, que ce soit les professeurs, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, on essaie tous de faire avec
la réalité qui nous a été donnée. Puis je suis certaine qu'il y en a qui sont plus organisés, qui étaient plus habiles de façon technique que d'autres, mais comment on appelle ça, ils sont peut-être pas aussi bien outillés qu'on aurait espéré. Donc, c'est pas pour banaliser et dire que Voilà. c'est pas leur faute, mais c'est dans le sens. Tu disais? Si je peux me permettre, dans le fond, Oui. si 20 000 fonctionnaires fédéraux ont réussi à se revirer de bord du jour au lendemain, puis de faire fonctionner les opérations, puis si je prends mon équipe de travail à moi, à l'école de la fonction publique, dans le fond, on s'est fait donner accès à Teams tout de suite, puis on a eu du support technique, puis on s'est tous mis sur la même longueur d'onde pour faire fonctionner nos choses. Donc, je peux pas comprendre pourquoi les commissions scolaires n'ont pas fait la même chose, dans le sens que on est des adultes, on est plus conciliant techniquement, on a plus de connaissances, on a plus d'expérience dans le fond avec les diverses plateformes qu'on a. Et puis là, sérieusement, avoir été mon fils de se faire garrocher sur Teams, Outlook, Microsoft 365, puis tout ça, puis d'avoir à aller all over the place comme il faut qu'il aille. Sérieusement, je passe 30 minutes le matin juste à rapatrier ces choses pour y mettre ça dans un package à lui pour qu'au moins, en plus, il n'y ait pas le découragement d'aller chercher ces informations à gauche, à droite, en haut puis en bas, tu sais. Fait que je comprends pas pourquoi les commissions scolaires ont pas fait une formation pour dire, écoute, on va tous se mettre ensemble, on va tous faire sur la même piste. Tu sais, c'est comme un petit peu comme un marathon, dans le fond. Si on court dans tous les sens, il n'y a pas personne qui va arriver à la même place. Si on s'enligne, puis qu'on dit, OK, toi, tu pars en premier, puis moi, je te passe le relais, là, ça va bien aller. Mais tu sais, on demande ça à des enfants qui ont 13, allez, à 16 ans, vu mon fils, dans le fond, vu qu'il est au secondaire, puis je comprends pas. Je comprends pas pourquoi personne a osé s'aligner sur la même longueur d'onde. Si je peux dire quelque chose, puis je te le dis, pas dans le sens que je veux minimiser l'impact de ce que ça crée sur l'enfant. La réalité, c'est que les deux systèmes qui se font les plus, si on peut dire, maganés présentement, c'est le système de l'éducation et le système de la santé. Et ça, c'est, comment on appelle ça, des deux côtés, les messages étaient conflictuels, des deux côtés, les budgets étaient défaillants. Donc, ça crée toutes sortes de défis. Par contre, par rapport à cette conversation, il y a des choses qu'on peut pas corriger à ce moment-ci par rapport à l'école. On peut en parler pendant je ne sais combien de temps, mais c'est pas comme si on a le levier pour le corriger. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de ramener la conversation par rapport à qu'est-ce que toi, tu peux faire maintenant avec, dans la réalité où ton fils est. Parce que tu parlais de deux choses, l'investissement que tu devais faire avec ton enfant pour pouvoir l'aider à travailler sur les tâches qu'on lui avait assignées, et l'autre côté, la charge de travail que tu as au niveau du travail. Donc, pour moi, ces deux éléments sont des choses que toi, tu peux contrôler. Les autres, c'est des éléments que sur lesquels, en bon québécois, ça fait bête à dire, mais je peux bitcher pendant super longtemps, mais on n'en aura pas de solution de façon immédiate. Donc, si on cherche une option qui est viable, c'est de voir, ben, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des moyens de négocier mes heures de travail pour que ma gestionnaire comprenne quelle est la réalité que j'ai avec mon enfant?
Ça pourrait être une option. Est-ce qu'il y a, comme on dit, par rapport au travail qu'il a à faire? Puis je t'entendais dans ta conversation, dans le contexte où tu dis, parce que tu as utilisé, je pense que tu es prise à motiver ton enfant ou un peu à faire de la grosse Ouais. cheerleader, puis en même temps, de l'autre côté, je dois faire la discipline. As-tu fini tes devoirs? Donc, c'est comment est-ce que je gère ces deux éléments-là? Et l'idée, quelque part, c'est de valider qu'est-ce qui peut être accompli dans la période qu'il reste de l'année scolaire. Est-ce qu'il y a certaines Oui. choses, parce que tu as déjà réfléchi à certaines choses sur lesquelles tu pourrais travailler avec lui? Oui. Oui, honnêtement, dans le fond, dans le sens que j'essaie avec lui de faire ce qu'il comprend bien. Je n'essaie pas nécessairement de lui enseigner de la nouvelle matière parce que je suis pas en moyen de faire ça. Dans le sens que pour moi, c'est super loin. Je veux dire, ce que je comprends. J'essaie de lui donner des trucs, j'essaie de l'appuyer dans sa démarche, puis dans ses travaux, mais il y a so much que je peux faire, tu sais, puis dans un sens où, étant donné qu'il était, peut-être, puis tu sais, on souhaite pas ça en tant que parent, mais peut-être qu'il est mieux qu'il recommence son année, étant donné qu'il a manqué certaines notions, qu'il avait pas nécessairement l'encadrement, étant donné qu'il a pas été diagnostiqué non plus. Peut-être que ça serait mieux pour lui qu'il recommence, puis qu'il revoie certaines choses, puis qu'il réapprenne de nouveau, dans le fond. Donc, tu sais, j'ai un petit peu depuis une semaine, lâcher prise dans le sens que je lui offre ma disponibilité. J'essaie de l'organiser le mieux que je peux parce que faut aller accepter les invitations, faut aller tout coordonner les courriels, tout ça. Donc, tu sais, je fais ça pour lui. Puis honnêtement, depuis ce temps-là, quand je lui ai dit, il faut que tu t'organises toi-même. C'est ta responsabilité. Il va un petit peu plus embarquer. Tu sais, comme aujourd'hui, on a réussi à faire 3 heures de devoir. Sauf que, tu sais, c'est ça. On fait ce qu'on peut. Puis, il n'y a pas nécessairement de système de pointage. Il n'y a pas nécessairement de la part des professeurs ou rien. Donc, tu sais, on fait ce qu'on peut. C'est rendu ma mission. Et je t'entends, et ce que ça m'amène en tête, c'est vraiment pour le temps que tu vas passer avec cet enfant, parce qu'on regarde, comment on dit, les 3, 4 semaines qui restent d'école. Ensuite, il y a toute la période scolaire. Quelles sont les choses que tu pourrais mettre en place pour dire que je diminue la pression sur l'enfant pour qu'il soit peut-être dans une situation où il voit le positif et non pas seulement le négatif de l'école? Parce qu'éventuellement, on veut qu'il retourne à l'école, puis on veut qu'il soit en mesure de travailler puis de performer. Donc, comment est-ce qu'on lui permet de reprendre un certain contrôle sur certains éléments? Ou peut-être travailler plus les matières avec lesquelles ça va vraiment bien puis qu'il a les compétences. Et peut-être aussi utiliser d'autres méthodes que les livres que l'école vous a peut-être fait parvenir. Wow. Premièrement, oh hell no, qui va lâcher l'école au secondaire? J'aime bien travailler avec lui les mathématiques et le français, dans le sens que ça me rend moi-même fière d'y faire comprendre les choses dans un autre optique.
dans le fond. Tu sais, j'ai fait une résolution de problème avec lui, puis ça a tout le temps été son gros problème à l'école. C'était comme un mal dedans, ça va mieux qu'une résolution de problème. Puis hier, tu sais, comme j'ai travaillé avec ça, j'ai fait décortiquer les choses à ma façon, puis j'ai expliqué, puis il a bien compris. Il a bien compris les démarches qu'il avait à faire. Donc, tu sais, en ce moment, pour les 3 semaines qui restent, je pense que continuer à l'appuyer, puis à y faire faire ses devoirs, mais sans mettre trop de pression. D'y donner mes trucs que je peux, parce que des fois, tu sais, dans le fond, quelqu'un peut parler d'une façon, puis dire, fais telle chose. Mais si ton cerveau il est pas réceptif à la façon dont la personne explique, ça donnera rien. Donc, tu sais, j'aime ça y partager un petit peu mes trucs à moi, puis je me rends compte qu'il comprend mieux, qu'il est plus réceptif, peut-être que, tu sais, il y a l'environnement plus relax à la maison, qu'il s'est pas levé à 6 heures pour aller à l'école, que tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en contexte, sauf que d'y donner mes trucs, d'y apporter mon support, oui, il faut que je prenne le temps. Oui, je dois prendre mes horaires puis les entrecouper, dans le fond, pour dire, OK, tu sais, je me bloque du temps pour mon fils. Puis, c'est correct. J'accepte de le faire. C'est difficile dans le sens où je dois travailler plus tard le soir. Je dois des fois compenser, puis faire le souper, puis après retourner faire certaines tâches. Ma gestionnaire, elle est très ouverte d'esprit. C'est, tu sais, j'ai cette chance-là, dans le fond. Mais bon, en tout cas, tu sais, c'est un petit peu l'optique que j'ai pris face à ma problématique. Et ce que j'entends, puis c'est comme un changement d'optique face à cette situation, comme tu as mentionné, le lâcher-prise. Lâcher-prise sur les choses que je ne peux pas contrôler. Lâcher prise sur essayer de tout faire, parce que l'idée, c'est que souvent dans nos réalités avec travail à la maison et enfants à la maison, notre employeur ou nos employeurs ne sont pas toujours aussi conscients de ce que c'est que d'avoir des enfants dans la maison en même temps que j'essaie d'accomplir quelque chose. Donc, comme on dit, c'est peut-être aussi, on repart avec ce que Nerline avait mentionné un peu plus tôt, communication. Est-ce qu'on peut communiquer de façon claire quels sont ces défis qu'on a pour voir quels sont les outils qui peuvent nous donner pour gérer ces éléments-là? Ce qu'on oublie souvent, c'est que dans ces situations-là, on a tendance à vouloir trouver notre solution parfaite selon notre perspective, mais il y a peut-être d'autres gens autour qui pourraient nous aider. Je me rappelle à une époque quand mes enfants Et avaient de la difficulté. Au niveau de comment dire, un des enfants avait de la difficulté au niveau de leur cours au secondaire. Et il y a dans la région de l'Outaouais, il y a une compagnie qui s'appelle arrondissement.com Outaouais, qui ça fournit des soutiens et des ressources pour les parents, que ce soit du tutorat, que ce soit des problèmes de dynamique. Donc, c'est comment est-ce que je vais aller voir autour, quelles sont les autres personnes? Si l'école ne peut pas me fournir ce dont j'ai besoin, est-ce qu'il y a d'autres ressources qui pourraient aussi être utiles? Et ça, c'est, oui, comme on c'est ça que dit. j'allais dire. Et Vas-y, puis, je peux Nalin. rajouter, souvent aussi, bon, maintenant que les enfants sont à la maison et que l'école, les outils pédagogiques sont un peu archaïques et tout, souvent ce qui tombe bien en ce moment, c'est le côté pratique de la vie que tu peux montrer à ton enfant. Donc, à travers ce qu'il vit à tous les jours, si tu vas faire l'épicerie et puis tu lui apprends les maths en sachant comment compter, combien coûte un aliment, quand tu additionnes ces aliments-là, qu'est-ce que ça fait, le total, tu vois, le rendre un peu plus réel, si je pourrais dire, intégrer ça dans son quotidien pour lui permettre de faire le lien avec
ce qu'il apprend à l'école, en fait. Ça, parfois, ça peut l'amener à raviver cette motivation-là qui lui manque justement parce qu'il n'est pas à l'école. Donc, c'est ça. Parce que ce que ça va nous demander, c'est de regarder notre quotidien et C'est très qu'est-ce que je peux difficile, dans le enlever. fond, de... Vas-y. Oui. OK. Non, c'est très difficile de savoir. Ben, de toute façon, je pense qu'en tant que maman, là, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Oui. De toute façon, je pense qu'en tant que maman, depuis le jour 1, le moment où qu'on a accouché, ben, on n'était pas nécessairement prête à tous les obstacles, toutes les épreuves qui étaient pour nous arriver, tu sais. Puis, je trouve que, à notre façon, dans le fond, je regarde toutes les problématiques, toutes les commentaires qui nous ont été soumis. On finit toujours par faire le mieux qu'on peut. Puis, faut Exactement. pas se découvrir. On fait ce qu'on peut Exactement. avec les moyens qu'on a, puis involontairement, ça devient le meilleur pour nos enfants. Exactement. Ce qui est important pour moi dans cette conversation avec ton fils, c'est de s'assurer qu'on ne perd pas la relation parent-enfant, la dynamique qu'on veut créer avec cet enfant pour des défis qui sont, comme on dit, beaucoup plus larges que la réalité de l'enfant. C'est pas sa faute qu'il y ait un confinement, c'est pas sa faute que le gouvernement du Québec était pas aussi bien organisé dans la réallocation ou la reprise des salles de classe et tout ça là. Mais comme on dit, il faut qu'on gère ce qu'on peut avec ce qu'on a. Merci C'est ça. d'avoir partagé avec nous. Le deuxième cas qu'on a, si Merci je à pouvais vous. mettre la question de façon plus claire, ça revient à dire qui fait quoi, quand et comment. Ça vient de la réalité où on a peut-être deux parents qui sont à la maison, qui travaillent, peut-être juste un parent qui est à la maison et qui travaille, puis en même temps qui doit gérer les devoirs et s'occuper, comme on dit, des enfants de différents âges. Donc, comment est-ce qu'on gère cette réalité, les demandes du travail et les demandes comme on dit, de la famille. Et dans le contexte qu'il a été présenté, c'est que les rôles des parents se sont vus multipliés par l'arrivée du confinement. Et on se retrouve à faire l'école à la distance, le travail à distance, s'occuper des enfants à temps plein et en même temps être peut-être professeur sur certains éléments. Donc, comment est-ce que je gère cette réalité? Si la question qui avait été posée, c'est une famille où il y a un père et une mère dans la maison, et on essaie de voir, ben, comment est-ce qu'on gère le quotidien et qui devrait faire quoi, quand et comment. Donc, Nerline, qu'est-ce qui te vient en tête par rapport à cette réalité? Bon, moi, je peux dire que je me relie beaucoup à ce scénario-là parce que j'ai des enfants en bas âge, une fille de 6 ans qui est à la maternelle, dont justement de 16 mois qui, lui, a besoin d'attention 24 heures sur 24. Et puis mon mari en télétravail, moi en télétravail, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se voient aussi dans cette situation-là. Et c'est beaucoup de gérer, bon, quel appel qui est plus important? Souvent, moi, je peux avoir un appel conférence à 10 heures, mon mari a son appel aussi à 10 heures. Qui va prendre le bureau? Hein? C'est pas évident, là. Souvent, c'est le mari, c'est non, 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 mon appel est plus important. Ou bien l'enfant, tout d'un coup, arrive, a besoin de son déjeuner. Le petit qu'on doit changer. On a oublié de déjeuner.
Et puis, il y a l'appel conférence qui a déjà commencé, qui nous attend. Donc, c'est pas évident. C'est sûr que on doit s'asseoir, puis on doit surtout être calme et surtout entre nous, parents, essayer de se dire, OK, voilà comment on va faire les choses. Sinon, parfois, on peut se retrouver dans la toilette, dans la salle de bain, pour essayer d'avoir la paix et avoir la possibilité de faire notre appel sans être dérangé. Je pense que quand on vit dans une maison, les pièces sont beaucoup plus amples, beaucoup plus écartées, mais c'est sûr que en vivant dans un appartement, il y a beaucoup de défis. Je crois que c'est vraiment de se mettre ensemble et de savoir pas qui fait quoi nécessairement. Oui, à la base, mais en même temps de se dire aussi que on va faire ça ensemble. Parce que sinon, ça peut arriver que je dise, bon, le matin, c'est moi qui vais donner à déjeuner aux enfants, mais tout d'un coup, j'ai un appel qui rentre. Il est super important, je dois le prendre. C'est sûr que mon partenaire, mon mari, doit pas dire non, c'était le matin, c'était ton tour. Donc, moi, je. Non, non, il faut qu'on puisse travailler ensemble dans cette situation-là, parce que là, c'est plusieurs rôles qui sont en dessous. Je peux dire que être maman, être professeur, être un employé et être une femme pour son mari, être aussi une mère pour ses enfants, c'est tout ça en même temps. On savait déjà gérer ça avant le confinement, mais là, tout se fait sous un même toit, tout en même temps. C'est ça le défi, en fait. Et c'est ça qui, parfois, à un moment donné, ça monte, et puis, c'est que tout doit se faire en même temps. Donc, ça devient que parfois, on se sent étouffé. Et moi, je peux dire qu'il y a eu des journées où ce que je vivais comme ça, je savais même pas où mettre la tête. À un moment donné, il y a un mot que Valérie, tu as dit, et c'est la même réalité, lâcher prise. Si l'employeur ne peut pas comprendre que, écoute, là, les imprévus, là, mon fils, il tombe, là, et puis qu'il se met à pleurer, je suis dans un appel conférence, désolé, je vais pas laisser mon enfant crier, sorry, pause. Je laisse la conférence 2 minutes, 5 minutes, et puis je Non. m'occupe de mon fils. Non. Tu payes sur Donc, mute. c'est ça? Je peux pas juste dire, écoute, je travaille et tout. Et évidemment, si mon mari est là et que lui aussi, il est dans un appel, tous les deux, peut-être qu'on va se regarder, on va dire, écoute, qui tu vas aller le chercher, tu le prends. Bon, et puis en même temps, l'autre enfant qui est là, c'est pas évident, mais c'est de faire ça ensemble, en fait. Et ce qui revient à ce qu'on parlait un peu plus tôt, c'est la communication. Donc, c'est très important entre Exactement. parents de clair à savoir quelles sont les priorités et comment on gère les priorités. Et ça, c'est toujours mieux de le faire quand on n'est pas en période de crise. Donc, c'est pas pendant que le téléphone sonne pour ton appel et puis mon appel que tout d'un coup, on doit décider qui fait quoi parce qu'autrement, on sait que ça ne fonctionnera pas, puis on va s'énerver tous Exactement. les deux. Donc, Non, c'est je s'assurer suis de montrer. contente d'être mère monoparentale. Sur certains éléments, il y a des défis, sur certains autres, il y a des avantages aussi. Et La je regardais, puis c'était Ouais. je regardais il n'y a pas longtemps, il y a avec quelqu'un à qui je parlais, et eux, ce qu'ils avaient réussi à faire, c'était ils avaient des échanges de services entre différentes familles. Donc, c'est un peu comme si on s'était mis un petit groupe ensemble, je pense que c'était deux ou trois familles, et il y en avait une qui faisait la bouffe ou le souper pour tout le monde, il y en avait une autre qui prenait les enfants, et en fait, ils se faisaient la rotation des enfants.
À savoir, ben moi je vais prendre deux de tes enfants, toi tu en prends. Donc ils ont trouvé une façon de fonctionner. Et l'idée c'est que c'est de voir ben où est-ce qu'elles sont mes meilleures compétences. Si c'est moi c'est la cuisine, ben peut-être que ça me dérangerait pas de faire la cuisine pour le voisinage. Si toi tu fais les devoirs avec les enfants. Et ça peut être aussi bien des choses qu'on fait face à face que des choses qu'on fait en ligne. Donc c'est de trouver de regarder nos solutions et de trouver des choses qui sont valides. L'autre élément que je voulais amener dans cette conversation, c'est aussi, c'est beau de vouloir tout gérer nous-mêmes à la maison, mais quelque part, il va peut-être falloir avoir aussi une conversation avec notre gestionnaire. Est-ce qu'on est obligé d'être à toutes ces réunions-là? Est-ce qu'il y a certaines choses qui sont plus pertinentes pour nous que d'autres? Et si moi je suis mal prise avec telle réalité, est-ce que quelqu'un, un de mes collègues, mon gestionnaire, peut me faire le débriefage sur la conversation et autres? Donc c'est comment est-ce qu'on regarde autour pour s'entraider mutuellement au lieu de penser que c'est à moi de trouver la solution à tout bout de champ. Oui, C'est pas c'est ça, évident, parce que mais moi, ce que je trouvais difficile, c'est que je me disais, pour éviter d'avoir déjà commencé à faire le marathon dès le matin, je commence à me connecter dès 7 h le matin portable. irréprochable, je dois tout faire là pour que tout soit bien avec mes enfants, avec le travail, avec le mari, avec la maison, tout doit être nickel. Oh, à la fin de mes journées là, je me disais, OK, 17 h là, finalement je déconnecte et je me suis dit, pause, non, non, les enfants ont faim, le souper, la vaisselle, le ménage, la douche pour le un, pour le premier, deuxième douche pour le deuxième. Coucher dos. À la fin, j'ai jamais eu le temps de penser à moi parce que on est fatigué. À 23 h, là, la langue roule par terre et on se dit, oh mon Dieu, ça va recommencer demain. C'est ça. Donc, Ouais. j'ai fait ça pendant un mois et j'ai trouvé que j'avais plus de maux de dos qu'avant le COVID. Ah, la pression entre les Cette omoplates, là. pression. Oh mon Exactement. Dieu, Les oui. omoplates. Ah, Et je c'est comprends. important, dans cette conversation, je vous suggérerais, on dit autant à nos auditeurs qu'à vous, mesdames, c'est important de prendre son propre pouls et de valider quels sont mes besoins. Il faut être honnête avec soi-même, là. Je peux pas tout faire et être perfectionniste en même temps dans tout ce que je fais, parce que ça marche pas, là. Non, Il y a juste non. 24 heures dans une journée et quelque part là-dedans, faut que je dorme. Oui, Donc, exactement. des fois, le lâcher prise et décider, ben, quelles sont mes priorités, sur quoi est-ce que je vais mettre mon attention pour pouvoir aller de l'avant, va me donner beaucoup plus de gain d'énergie que d'essayer de courir et d'arriver à tout faire, parce que ça arrivera jamais. C'est ça, Sur ce, complètement. je regarde l'heure et je vois qu'on a avancé, mais il nous reste encore des scénarios. Aujourd'hui, on va arrêter parce qu'on sait qu'on vous avait promis qu'on ne dépasserait pas 45 minutes. Donc, ce que je vous poserai comme question, si vous pouvez en utilisant un ou deux mots, qu'est-ce que vous laisseriez comme message à nos auditeurs à retenir par rapport à leur quotidien? Je dirais vraiment, comme on a dit souvent là aujourd'hui, c'est vraiment de lâcher prise, de penser à vous, à votre santé. C'est ça qui prime avant tout le reste, parce que c'est en étant en santé qu'on peut prendre soin de nos enfants. Et nos enfants sont l'avenir aussi de demain. Sans eux, l'économie ne roule pas, vu que c'est ça qui est souvent important pour la société. Donc, notre rôle à nous en tant que parents, c'est de prendre soin de nos enfants et de prendre soin de nous. Le reste, il va suivre. De ton côté, Valérie? Oui, moi,
Moi, je dirais self-control et pleine conscience. Ah, Les mots s'expliquent en soi. Ouais, merci, j'apprécie. Si moi je passais quoi que ce soit à qui que ce soit ce soir, ce serait de réaliser que à travers cette situation tout à fait inhabituelle qu'on vit, le plus tôt que j'établis des règles d'engagement avec ma famille, comment est-ce qu'on va fonctionner, pourquoi on fait telle chose et comment on dit, quelles sont ces choses, ces choix qu'on devrait faire quand, pourquoi, comment, le plus tôt que je le fais, le mieux plus rapidement qu'on trouvera notre rythme de croiseur. C'est certain que dans ces Absolument. moments-là, ce que vous allez remarquer, que vous avez eu beaucoup plus de joutes de négociations que vous en avez eu peut-être dans les années précédentes. Mais Tout c'est à vraiment fait. parce que tout le monde est au même endroit. Donc, Exact. soyez patient avec vous-même et surtout soyez patient avec les gens autour de vous parce que des fois, là, des fois, je me problème, puis des fois, ils arrivent et puis tu dis, non, 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 viens pas me créer des problèmes. Donc, comme ouais, faut trouver notre rythme. C'est ça. Pouvoir être Oh, sûr hell no. d'interagir Stop positif. Donc, right sur ce, merci, mesdames. Merci pour la belle conversation. there. Oui. Comme on dit, on a encore deux ou trois autres casques qui avaient à Merci. discuter, Merci qu'on à a toi, pu Paula. dire. Donc, merci à tous. Et plaisir. Au revoir. Merci, Paula. Prends soin de toi. Merci, Claudine. Merci. Bye!